Arrivé à Clairefontaine lundi comme les 22 autres bleus convoqués par Didier Deschamps pour prendre part au match des éliminatoires de l'Euro 2024 face aux Pays-Bas, vendredi à Amsterdam. Puis à la rencontre amicale contre l'Écosse, 4 jours plus tard à Lille, Kylian Mbappé a reçu ce mercredi une terrible nouvelle. Touché par la mort d'un proche, le buteur des Bleus et du PSG a quitté le centre névralgique du football tricolore à Clairefontaine cet après-midi pour se rendre à Bondy. En banlieue parisienne, dans la ville qu'il a vu grandir. Le staff a autorisé le capitaine de l'équipe de France à s'absenter quelques heures pour présenter ses condoléances à la famille du défunt. Bien présent aux Pays-Bas. Il devait retrouver le groupe et le château de Clairefontaine dans la soirée, précise l'équipe, qui ajoute que le départ pour les Pays-Bas de l'ancien monégasque, jeudi, n'est pas remis en question. En revanche, sa présence face à la presse en tant que capitaine à la veille de l'opposition aux Bataves, une première annoncée depuis juin, et le déplacement des Bleus à Faro pour y affronter Gibraltar est désormais incertaine.